alcanza, tome forma. Sabrás de qué estoy hecho y llorarás una vez que mi venganza tome forma. Te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, llora. Llora, llora, llora. Parlez correctement de mon patron. Vous feriez mieux d'enquêter avant de défendre certaines personnes. Edgar! Edgar! Les transformateurs ont explosé! On n'a plus de courant nulle part! Il y avait une surtension, les disjoncteurs ont sauté? Non, c'est un attentat. Aucun doute. Il y avait de la dynamite. On l'a vu, un homme. Ils l'ont suivi. Vous avez détourné notre attention pour faire un attentat pendant ce temps. Non, 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 on n'est pas du tout responsable de ça. C'est faux. Arrêtez vos mensonges. Menteurs. Aidez les gens qui sont en danger, plutôt. Que je parte pour que vous puissiez vous enfuir, vous rêvez. Non, retenez-les. Ne nous touchez pas. Arrêtez de déplacer les camions, que les gens puissent partir. Laissez-moi. Arrêtez. Fernanda, c'est le moment. On ne va pas s'enfuir, on n'a rien fait. Enfin, sois pas idiote. Où est-ce que vous allez comme ça? Quoi? Vous allez répondre de vos actes. On vous fera assumer toutes les conséquences. Ne me menacez pas, vous ne me faites pas peur. Voyons si vous direz ça à la police. Et on se détruit, ça va aller. On peut le refaire si vous préférez. D'accord, fais-le, je m'en cogne. Quoi encore, Edgar? Nos transformateurs ont explosé, on n'a plus d'électricité ici. Et le générateur de secours? On ignore encore s'il est endommagé. L'ingénieur évalue les dégâts, mais je voulais vous prévenir. C'est si grave que ça? J'entends des sirènes. J'ai appelé les pompiers et la police. En plus, les réfrigérateurs sont remplis de viande. On ne peut pas la perdre. Trouve un moyen de récupérer des générateurs. On n'aura jamais la bonne puissance. J'en ai rien à faire. Fais ce qu'il y a à faire. Je veux savoir ce qui a causé l'explosion de ces transformateurs. C'est clair? Il s'agit d'un attentat, Octavio. Quoi? A priori, la coupable serait Fernanda Linares. Vous n'avez pas le droit de me retenir. Je n'ai rien fait. Ça, c'est ce que vous dites. Vous n'irez nulle part avant d'avoir avoué qui a posé les explosifs. De quels explosifs vous parlez? Vous êtes fou. C'est que vous avez fait mettre dans les transformateurs de cette usine. Je n'ai rien demandé à personne, alors faites votre travail et trouvez qui a fait ça plutôt. Tout vous accuse. Vous accusez l'usine pour le poste de contrôle. Et maintenant, cet incident. Je suis venu parler à Octavio Toscano. Alors n'hésite pas, je suis là. Tu avais juré qu'on se reverrait, mais jamais je n'aurais imaginé que ce serait dans de telles circonstances. Je ne serais pas là si vous ne vous obstiniez pas à créer des injustices. Laisse-nous seuls. Entendu, monsieur. Je peux comprendre le fait que je t'obsède beaucoup, à cause des terres qu'on aurait, selon toi, prises à ton mari. Mais ton obsession est si grande, Fernanda, que tu ne réalises pas le mal que tu fais à ces pauvres gens. Je ne ferai jamais rien qui puisse blesser les autres. Vous, en revanche... Vas-y. Moi, quoi? Vous avez privé beaucoup de familles de leurs terres. Vous voulez quoi, au juste, Octavio? Les laisser mourir de faim? C'est votre volonté de nous laisser mourir de faim si on ne vous donne pas tout notre bétail? Non, quelle idée. Allons, Fernanda. Toi et les autres, vous êtes libres de vendre vos bêtes à qui ça vous chante. Et c'est pour ça qu'un poste de contrôle est apparu, où on demande un certificat qui n'est pas requis d'habitude. Tu crois que tu es la seule que ça affecte, Fernanda?
Moi aussi, j'ai été bloqué. Je ne peux pas transporter mon bétail tant que cette satanée épidémie de leptospirose sévit. D'accord. Vous n'avez pas usé de votre influence pour qu'on installe ce poste de contrôle ? Je n'en crois pas un mot. Quel dommage que vous ne travailliez pas pour moi. Avec une telle force de caractère, nous ferions des choses inimaginables, des choses énormes. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui a volé les éleveurs. Mais je n'ai volé personne. Edgar ne t'a pas montré le contrat qu'on a passé avec ton mari ? Ne me dis pas son nom, il s'appelle Santiago. Il s'appelait. Il est décédé. Oh. Je suis désolé. Je te jure, Fernanda, que je n'ai pas volé les terres de ton mari. Maintenant, dis-moi la vérité. Pourquoi tu t'es rapprochée de mon fils ? J'ignorais que c'était votre fils. Si je l'avais su, croyez-moi, je ne l'aurais jamais approché. Je ne comprends pas comment un homme aussi bon que Raphaël puisse être votre fils. Si vous ne prouvez pas que je suis responsable de cet incident, laissez-moi m'en aller. Sinon, vous allez voir. Votre amie a tout avoué. Arrêtez de la protéger. Oh, ah oui, et elle a avoué quoi ? Qu'elle avait tout planifié. Ah oui, sérieux ? Oh, elle a dit quoi d'autre ? Que les trois mages n'existaient pas ? Qu'aucune souris n'embarque les dents de lait ? Allez, arrêtez. C'est sérieux. Oh, toute la ville vous appelle Moreno l'empoté. Qui pourrait vous prendre au sérieux ? Oh, Juana, on s'en va. Les autorités détermineront si tu es coupable ou innocente. J'espère pour toi que tu es innocente, Fernanda. Écoutez, monsieur... Allez, on s'en va, c'est bon. Octavio, vous êtes sûr qu'il faut les laisser filer ? Oui, pour l'instant. C'est quoi, ça ? Je me suis brûlée avec le fer à boucler. Il fait chaud pour porter un foulard, non ? Toi qui es une pro de la mode, tu reconnaîtras que ça ajoute une touche d'élégance. Au fait, cette fois, t'es allée beaucoup trop loin, maman. À cause de toi, Raphaël a failli découvrir mon aventure avec Rigoberto. Oh, je t'en prie. À chaque fois que je vois ce miséreux, je t'assure que j'ai besoin de respirer. J'ai envie de vomir. Maman... Il faut trouver une solution. Rigoberto a beau éviter Raphaël, il habite ici et il travaille ici. Je ne comprends pas pourquoi les gens le traitent comme David. Ce pauvre type n'est personne. Il y a des choses que je suis obligée de supporter. Alors je te remercierai de faire pareil. Tu n'as aucune idée de ce que je dois supporter. Grâce au système de protection, les dégâts ne sont pas aussi graves qu'on le craignait. Il faut juste changer les portes fusibles. Si on a du courant pour certains réfrigérateurs, l'un d'eux en manque encore, mais on déplace la viande dans les autres. C'est parfait, alors. Faites tout ce qu'il faudra, mais vous me réglez ça. Dès que la police aura fini son enquête, pour l'instant, on ne peut rien sortir de la zone. D'après eux, il y avait de la dynamite. Oh, la garce. Vous rédigez deux rapports, un pour moi qui mentionnera les dégâts réels, et dans l'autre, dressez le pire des scénarios. Vous y allez à fond. Alors, ça va ? Oui, c'est réglé. Allons-nous-en. D'accord. Et l'autre boulaine Moreno qui a essayé de me piéger pour que je dise que Fernanda était coupable. Quel idiot, ce gars. Quel pauvre type. Ah. Pourquoi les animaux sont si agités ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Eh ben, ça fait longtemps qu'ils sont enfermés là-dedans. Oh, les bonnes bêtes. Qui êtes-vous ? Chut ! Ne dites rien. Les groupes électrogènes qu'on a loués arrivent. Ils ont profité de l'urgence pour gonfler le tarif. Peu importe, tant qu'on ne perd pas la viande et qu'on peut livrer. Désolé de me mêler de ça, mais vous n'auriez pas dû laisser partir Fernanda Linares. C'est la deuxième fois qu'elle attaque mon entreprise. Et tu n'as aucune solution, tellement tu es inutile.
Allez, dégage! Dégage, je veux plus te voir! Patron, tout ça va vous coûter beaucoup d'argent. C'est la faute de cette gamine. Alors, je la liquide tout de suite? Non, l'assurance couvrira les frais. Je vais d'abord profiter de ce qu'elle a fait. Alors vous pensez que c'est elle? Aucune idée. Si c'est le cas, elle est bien plus dangereuse que je ne l'avais imaginé. On fait quoi? Il paraît que la vengeance est un plat qui se mange froid. Il faut savoir attendre. Pour l'instant, ça va me servir à justifier les pertes de l'entreprise et à payer moins d'impôts. Et ça vaut le risque qu'on prend en la laissant en vie? Patron, elle pourrait vous faire plus de tort. Non, mais je vais en profiter pour la discréditer auprès de Raphaël, dans le cas où elle déciderait de le revoir. C'est important qu'aux yeux de mon fils, je passe pour la victime de Fernanda. Avec ce que j'ai en tête, tu verras que, dans pas longtemps, elle me mangera dans la main. Un problème avec votre bétail? C'est qui, lui? Un passager clandestin doublé d'un espion. Descendez. C'est vous qui avez mis les explosifs dans l'usine? Marie, ça tombe bien que tu sois seule. Tu sais si cette Fernanda a appelé Raphaël? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désespérée, mademoiselle. Je ne sais pas quoi faire. Ma grand-mère va me tuer quand elle saura. Tu as cassé quelque chose? Non, c'est pas ça. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Sinon, on va me mettre dehors et ma grand-mère va me tuer. Tu as volé quelque chose? Non. Alors je quoi? Jamais ça, mademoiselle. Quoi? Je crois bien que je suis enceinte. Vous avouez ou alors on sera obligé de vous forcer la main? D'accord. L'attaque de l'usine, restez, c'était moi, restez où vous oui. êtes. Pourquoi l'avoir attaqué? C'est moi que ça regarde. Moins vous en saurez et mieux ce sera. Non, 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 non. Je vous ai aidé à fuir. Vous nous devez une explication. Ce que j'ai contre ces gens, c'est moi que ça regarde. Et personne d'autre. Au revoir. Eh oh, pas si vite! Non, non, non. Si une caméra de surveillance vous a filmé en train de rentrer dans mon camion, ça fait de nous des complices. Alors parlez, c'est quoi votre souci avec l'usine? Restez tranquille. Sinon, je tire. Dans ce cas, tirez une bonne fois pour toutes. Tuez-moi. Allez-y, tuez-moi. Ne le laissez pas vous rouler, Fernanda. On ferait mieux de donner ce type à la police. Sinon, ça va nous retomber sur le dos. Ça va, Matteo, arrêtez. Soyons sérieux. On vous a aidé à vous échapper. Alors dites-nous au moins qui vous êtes. Ne vous trompez pas, je ne suis pas un vulgaire voyou. Je savais parfaitement ce que je faisais. Les transformateurs sont loin des gens et des animaux. Je ne comptais pas du tout les blesser. Mais vous visiez l'usine. Oui, je visais l'usine. Ils me sont redevables. Et je vais les faire payer. Je vous l'ai dit. Autant que vous ne sachiez rien de moi. Sérieux? Vous allez le laisser filer, là? Marie, et tu vis au siècle dernier ou quoi? On tombe pas enceinte avec un bisou. Depuis que je suis petite, ma grand-mère me dit que ça commence comme ça et que ça finit avec un ventre énorme. Tu pourrais m'inspirer une vingtaine de mèmes. Écoute, il y a plusieurs étapes avant de tomber enceinte. La première, comme le dit ta grand-mère, c'est effectivement le bisou. Mais après, il y a les caresses et... dans un second temps, tu as des rapports consentis. Consent quoi? Consenti. Les deux personnes doivent être d'accord.
Et comment on fait les rapports consentis, au juste? Tu découvriras ça toute seule. Ne t'en fais pas, Marie. Regarde sur Internet, il y a plein d'infos. Si tu veux, je t'enverrai des liens. Ma grand-mère ne m'a jamais parlé de tout ça. Et j'ai pas demandé. J'aurais eu l'air pressée de le faire, sinon... Bien sûr, mais tu peux me demander n'importe quoi, tu le sais. Après tout, on est amis, hein? Tiens, une copie du rapport avec tous les dégâts. C'était un gros attentat, Antonio. C'est considérable, en effet. Si ça venait à se savoir, ce serait terrible pour la confiance des... Non, justement. Je veux que ce soit publié. Je veux que tout le monde soit au courant du fait qu'il y a une bande de voleurs de bétail qui fait tout pour nous bousiller nos vies, à nous les gens honnêtes. Et que leur chef s'appelle Fernanda Linares. Écoute, ne le prends pas mal, mais ce n'est pas le moment. Et d'ailleurs, évitons de critiquer Fernanda Linares. On risque d'avoir des ennuis si la mort de son mari est évoquée. Ça m'est complètement égal. Écoute, tu vas faire ce que je te dirai. Rigo, arrête! Rigo, arrête! Allez, arrête! Bon sang, Rigoberto! Si ton plan c'est d'abîmer les sacs, tu perds ton temps. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Pourquoi tu te fais du mal, hein? Je me sens trop mal. Raphaël me dit que je suis son grand ami. Et j'arrive pas à me sortir Isa de la tête. C'est pas ta faute si t'es tombé amoureux d'Isa. Si seulement c'était réciproque. Isa m'aime. Elle m'aime. Personne ne sait vraiment ce qu'Isabella ressent. Mais tu devrais t'aimer davantage et aussi arrêter de te faire autant de mal. Si je pouvais, je me casserais les deux mains et je sortirais tout ce que je ressens. C'est pas tes mains dont il est question. Pourquoi tu veux t'abîmer à l'extérieur alors que tu es déjà ravagé à l'intérieur? Rigo, il faut que ça sorte. Si tu te laisses aller, je te jure que personne ne le saura. Isa ne sera pas au courant. Tu n'es pas seul, Rigo. Moi, ça m'importe ce que tu traverses. Est-ce que je peux vous parler, Pedro? Tiens, puisque vous êtes là, donnez-moi la clé de 10. La clé de 10? Celle-ci? Non, la plus petite. La plus petite? Ah, je la vois. Tenez. L'usine ne m'a pas autorisé à vous donner la somme que je vous avais promise en plus de la commission de Trujillo. Mais je vais tenir parole. Et comment? En cassant votre tirelire? Tenez. Waouh! Vous avez volé qui, au juste? Sauf votre respect, on sait tous que vous êtes ruiné. J'ai dû vendre ma montre à Santa Ana. Mais vous savez, je préfère perdre le peu d'objets de valeur qu'il me reste, plutôt que de savoir qu'on peut douter de ma parole. On ne pensait pas être payé. Alors on a voulu vendre nos bêtes à Encino Alto. Impossible avec le nouveau poste de contrôle sanitaire. Lequel? Celui qu'ils ont installé, on n'a pas pu passer. Et ensuite, ça s'est compliqué avec l'explosion à l'usine. Quoi? De quoi vous parlez? J'insiste, tout ça, c'est la faute de Fernanda Linares. Elle n'est pas idiote, celle-là. Elle a compris que j'avais lancé cette histoire de leptospirose pour installer le poste de contrôle. C'est pour ça qu'elle a dû faire exploser les transformateurs, j'en suis sûr. Elle n'a pas pu planifier ça, elle savait pas pour le poste de contrôle. Peut-être, mais elle a pu envoyer quelqu'un pendant qu'ils étaient en train de faire diversion à l'entrée. Non. Fernanda n'est plus la personne qu'on avait enfermée dans le frigo pour l'effrayer. Elle attaque frontalement maintenant. Oui, et je suis sûr qu'elle va nous attirer des tas d'ennuis. Une femme qui n'a plus rien à perdre. Il n'y a pas plus dangereux que ça.